La chapelle est une possibilité d'échange extraordinaire avec des jeunes, où on peut passer un certain nombre de choses, où on peut avoir ce compagnonnage qui pour moi est important. La croisière, c'est différent. C'est différent, je pense que c'est une occasion, au fond, d'avoir captif un certain nombre de gens qui ne peuvent pas quitter le bateau, parce que ça serait dangereux. Et c'est aussi évolutif, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont venus pour les premières croisières, et puis aujourd'hui, ils ont évolué dans leur façon de recevoir tout ça. Et aussi, il y a des échanges, il y a des interviews, il y a des moments où il peut y avoir vraiment un approfondissement de la relation entre le public et nous. Et c'est rarissime. Donc moi, je le prends comme ça. Je le prends comme une occasion qui ne nous est jamais donnée de les rencontrer. Il faut dire aussi une chose, c'est que les artistes, aujourd'hui, on n'est plus au 19e siècle, où les artistes vivaient ensemble, où ils se rencontraient, où ils... ça, c'est une occasion magnifique aussi pour nous de se rencontrer, de passer 8 jours ensemble et de pouvoir échanger un certain nombre de choses. Donc je trouve qu'on devrait le faire plus souvent. Thank you.
La musique, c'est l'expression de compréhension des choses, un manque d'amour à un moment donné, un manque de plaisir, un manque de vérité. C'est cette recherche, parfois aussi un manque de justice, injustice profonde. Quand on voit ce que l'homme est capable de faire, et alors qu'il est tellement capable d'amour, tellement capable de beauté, on se dit, mais la musique, est-ce qu'elle est capable de corriger le monde? On l'espère. Dostoïevski a bien dit que la beauté sauvera peut-être le monde. Bien, un artiste doit y croire, parce qu'on est là vraiment pour ça. Même si on n'est pas là, on n'est pas véritablement capable de sauver concrètement, matériellement le monde, mais on peut peut-être l'empêcher de sombrer. Yeah.
Quand je vais par exemple sur YouTube, où on peut entendre plein de musiciens, c'est incroyable toute la collection de musiciens qu'on peut entendre, de toute l'histoire de l'enregistrement est là. Mais si vous regardez les commentaires des jeunes, trop souvent on voit fausse note à 3 minutes 42. Et voilà, c'est tout ce qu'ils ont à dire. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'enlève absolument, au contraire même. Moi, le plus beau compliment qu'on puisse me faire après un concert, c'est les gens viennent me voir et me disent « Oh, on a trouvé ça formidable qu'il y a eu cette petite hésitation à tel moment. » C'est tellement humain. Mais quand je fais des récitals, alors je choisis des choses qui, pour moi, ou que la poésie me touche profondément, ou que ça raconte une histoire. Alors c'est moi, je suis raconteuse, et ça me donne quelque chose à tenir. Il faut vraiment scavare, creuser dans le matériel et dans soi-même, pour trouver la vérité. Thank you.
Thank you.
Quand un concert se termine, il y a toujours des applaudissements. On a toujours l'impression que des applaudissements ou des bravos ressemblent à d'autres applaudissements et à d'autres bravos, et qu'on pourrait remplacer les manifestations de ces réactions les unes par les autres. Peut-être, oui, comme ça apparemment. Mais en fait, il se trouve que
Il y a des concerts où l'on applaudit un peu moins fort, mais dont les gens parlent encore quelques années plus tard. Bien, ça, ça n'est pas quantifiable, parce que ça, c'est un chemin secret qui se passe entre le moment où se fait la musique et ce que ressent l'auditeur à ce moment-là. Il y a des chemins secrets, des vibrations, des incendies, enfin, des incendies qui s'opèrent, qui font que on ne peut pas oublier ces moments-là.